À l'autre bout du chantier, une enquête archéologique est en cours. Ce qui intéresse les Nag et la Kopoulou, c'est l'infiniment petit. Cette chimiste travaille actuellement dans les vestiges de l'ancien minaret. Grâce à cette construction, des chapiteaux de colonnes antiques ont été préservés de la lumière et conservent d'infimes traces de couleurs. Difficile d'y voir grand-chose à l'œil nu, mais le microscope de l'ENA révèle très vite toute une palette de teintes. Du bleu, du vert, du noir. The Parthenon was colored for sure. Le Parthénon était coloré, c'est une certitude. Les écrits mentionnent que tous les éléments au-dessus des chapiteaux, des colonnes, étaient colorés. Tout l'entablement du Parthénon était peint. Les Grecs anciens réalisaient des motifs sculptés à 10 ou 15 mètres du sol. Alors, ils utilisaient la couleur pour rendre ces sculptures plus visibles et plus vivantes pour les fidèles qui les regardez d'en bas. Ces observations lui ont permis de restituer en partie le décor peint de ce chapiteau. Par exemple, pour ces motifs, nous avons une représentation en couleur. Cette partie en haut n'était pas colorée. Ils utilisaient du rouge et du bleu pour peindre les moulages doriques. Sur les moulages ioniques, les œufs n'avaient pas de couleur, mais on peut voir de l'ocre dans les séparations et du bleu sur la frise. Vous n'allez quand même pas repeindre le Parthénon ? Non, ce n'est pas notre objectif. Mais en apprenant plus sur les couleurs et la polychromie du Parthénon, nous pouvons mieux les reproduire de manière virtuelle. Grâce à des travaux comme ceux de l'ENA, on peut désormais mieux se représenter la splendeur des frises qui ornaient le Parthénon. De la couleur, il y en avait sur tous les temples de l'Acropole, comme l'Érechtheion, avec ses célèbres cariatides, ses femmes qui tiennent lieu de colonnes. Ainsi coloré, c'est toute la puissance spirituelle de l'Acropole qui s'exprime à nouveau.